C'est avec un peu de plaisir, mesdames, messieurs, nous rentrons à la CAO pour le journal TNH pour jeudi. Pour Kounia, nous pourrons le présenter au grand titre. Qui t'a perdu la vie pendant l'opération la police dans le quartier Grand Ravine lundi 13 novembre, non, passé à recevoir jeudi à un chèque 100 000 goudes comme participation l'État pour funérailles. C'est chef paquet tribunal première instance pour Prince-Lan, met Oknam Klamidameus qui remet le chèque si là. Paysans en pleine la Tibonite, pral capable de pour planter sans difficulté, le gouvernement met des matériels agricoles à disposition planter. 34e assemblée parité Afrique-Caraïbes-Pacifique là qui t'a déroulé dans pays d'Haïti rivé dans Boutli mercredi 20 décembre 2017 là, c'était occasion pour parlementaires aborder plusieurs thématiques qui n'ont intérêt pays. Administration communale Port-au-Prince n'a tête collé avec l'autre partenaire organisé mercredi 20 décembre 2017 là, un séminaire formation pour journalistes sur gouvernance locale pour permettre aux journalistes de plus bien comprendre le fonctionnement mairie. Et puis, Sénat américain adopté 19 décembre, réforme fiscale, administration trompe-la. Restez avec nos amis TNH, tout ça, comme pilote information pour le développer dans le journal pour aujourd'hui. Et j'ai noté annonce au lit, plusieurs paysans bénéficiaient matériel agricole en pleine Latibonite pour abriter. Matériel ça va permettre aux paysans d'augmenter la quantité de terre, de travail pour faire du riz sans pas payer un goudes. Paysans yo remercier président République là qui comprend l'importance de l'agriculture dans le pays. On a invité à suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Pierre-Henri Duvigneau. Matériel ça yo pour faciliter paysans yo rabourer plus terre pour planter du riz. Yo salue intérêt yo dit président République là Jovenel Moïse manifesté en faveur yo. D'après yo action président a posé dans quatre coins pays a montré li kembe promesse li te kon fè dans campagne électorale li. Avec matériel ça yo paysans yo ap capable rabourer jardin yo sans yo pas payer yon goud. M'te gen plan pour m'te parti. Qui plante des gemmes de partir me dépasse me gagne plante des partir si t'aime des gemmes de vendre bon d'achili mais voici ça me fait c'est agriculture me fait chaque grain parle ou te dit yo marché ensemble yo fait effet dans comme et ni pour madame moi ni pour petite moi jodi a moi soto merci et c'est ça ou commencer offrir nous mais journée jodi a bon dieu roi un prophète saute dans ciel la crélé Jovenel Moïse qui vient pour délivrer nous président Jovenel nous remet m'a chanter pour ça moi qui commencer fête là moi voulais ouais président Jovenel a mené Koyon héro sou Haïti. Président Jovenel pou béni teya. Ak yon bagay kap mene nan ciel. An nou marche, an nou avance. Ak président Jovenel pays a développé. Peuple a tout prêt pou tan nou. Paysan yo reme ou, yo kontan ou, parce que yo wap travay pou yo. Félicité président Jovenel et par rapport avec tout jefol la fait. Nou wèl penché bon côté paysan yo. Et c'est ces paysans ça yo kal gou mais plus pour lui ka gen moun nan mitan ville tout mais ces paysans nan milieu rural yo kal gou mais pour lui et nous bataille ça nous gèl pas de faire en vain et moi pas regrette nous tal font sel coup de clé journée jodi a nous voyons gros coup de chapeau pour président Jovenel Jean commencer parti avec paysan yo n'a dit président ça faire pile attention pour que la Tibonite a tan ni non ça n'a pas tanni sous canal yo tout nous gè des bagages pour nous dire n'a dit lui de près il faut lever pour mauvais gens qui pas gâter caravane nan même parce que plein go naïve tout monde qui effondrer lui nous connaît tout monde qui cause pompe nous jao yo nous connaît et journée jodi a nous go chef toujours yo pou ko jam rive sou nous moi tout les connaît même pas connait voyer du monde ça fait l'aime dal français le coup de kem pas fait me nèg moi même dal fait depuis président fin chef moi chef pour me parler vérité. Nous disons, président, gros merci, parce que l'on a regardé la situation basse pleine, près de 8 ans, pleine ça, c'était Mestien Béni qui était levé là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de jam travail, c'est un gros défi. Nous, le président, vini, il a commencé tête canal là. Nous, c'est le changement de caravane qui est censé arriver par bord ici. Il a commencé tête canal là, il a fini toute terre machinée, pour commencer à planter, pour commencer à lever, toute terre machinée, et nous sentons que l'agriculture a plus avancé. Président Jovenel,
Nous pas regrette monter photo, nous pas regrette moi-même d'albay biten là parce que nous on travaille tant que paysan ou même tant que planteur moi-même c'est là mon travail pour me petit moi l'école pour me l'aime travail moi une cob pour me petit moi l'école l'aime toute terre ça au territoire à terre sans travail comme ça ça c'était bon mon pile problème n'a demandé dans zone ça eux même qui besoin faire bloc production pour nos gros marché international pour eux c'est ça nous même nous a dit merci président Jovenel parce que nous ouais c'est ou coller mon à mon bloc à bloc et jodi a nous dou visiter zone souvenance les tigo dans cadette parce que gitan gen bloc production parce que moun sa yo aubergine yo fait parce que nous même jodi a nous besoin aubergine yo al vendre dans l'autre côté à partir toute décision chef l'état prend pour changer scamp figi pays a accompagnement paysan yo c'est un point important pour augmenter production agricole là ça qui pral permettre pays a gen plus manger qu'a permettre tout petit pays a joindre manger pour yo manger et puis faciliter jeune yo rete la caillou pour participer dans travail qu'a fait pour aider Haïti avancer plus devant. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là met Oknam Clamide Amius remet chèque 100 000 gourdes by Fomi Moon qui était perdu proche pendant l'opération la police était fait dans quartier Grand Ville dans date lundi 13 novembre passé. Chef parquet tribunal première instance Port-au-Prince là met Oknam Clamide Amius expliqué c'est l'État haïtien qui prend initiative ça pour accompagner parents victimes une façon pour organiser funérailles victimes. Yon l'autre côté, commissaire gouvernement fait connaître, après poursuivre avec enquête sur opération la police dans Grand Ravine 13 novembre passé. Mais tout n'am, clamé d'Améus, t'es dans le micro, c'est le quoi pas qui a clore dans les Jean-Jacques en suivre. Même j'en toi, chaque fois la police gagne pour lui faire des opérations, pas gagne aucun monde qui a épanoui, gagne sa nerele de dommages collatéraux. Ou pas qu'en société, ça qui arrive, on fait pile effort pour capable d'abord plus professionnaliser la police et utiliser surtout les unités les plus spécialisées pour nous réaliser opération yo. Les nous étudier que moun sa yo, parents sa yo qui là, qui derrière dans là, qui pas prévoir que tu pas gagne moun victime dans famille yo. Yo pas de grande préparation. Et droit pas de gêne en prévoit tout lorsque gien des événements consacrés mais qui gens pour résoudre li eh bien l'État dans sa puissance publique décidé via le commissaire du gouvernement qui gagne en partie dans li qui dans espace judiciaire cap poursuivre et qui pral garder tout monde qui ta coupable qui était manque de professionnalisme a gagné pour répondre question la justice mais en même temps moun sa yo tout qui gagne des moun victimes qui pas de possibilité qui pas de temps déjà gagner moyen pour répondre eh bien l'État prend responsabilité pour aider yo répondre à des besoins urgents et parmi besoins urgents que moun sa yo gagne moun sa yo qui que nous là demain c'est moyen pour rejoindre pour yo capable organiser un funérailles qui digne des familles. Voilà pourquoi l'État via commissaire gouvernement prend responsabilité nous pas mettre nous comme acteurs qui pral organiser funérailles mais nous définir nous comme acteurs qui doit aider moun sa yo citoyen sa yo organiser dignement funérailles parents yo. Voilà pourquoi commissaire gouvernement l'ICHITA avec l'État central et arrivé permettre que chaque moun sa yo pral gagner pour rentrer la caillou avec un chèque de 100 000 goudes pour organiser funérailles famille. Moi gagné 11 parents qui gagnent. Donc moi pas déplacer famille policier justement par rapport à question que tu posé là. M'pas trop nécessaire pour me permettre de venir là puisque yo te gen tan consenti déjà des sacrifices pour yo avancer. Maintenant qu'on y a eux même y a gagné seulement pour yo venir très concerné, y a venu pour yo venir recevoir chèque yo pour yo permettre que yo réponde à dette. Et commissaire gouvernement Port-au-Prince là met Oknam Clamide Amius annoncé paquet prend disposition pour libérer 243 prisonniers non pénitentiaires national d'après chef paquet tribunal Port-au-Prince là décision ça entrer dans le cadre des marches pour combattre détention préventive prolongée dans la prison civile. Mais Oknam Clamide Amius, c'est dans le micro Saint-Croix-Paki à Clore d'Arne Jean-Jacques en suivant. Moi, j'ai gagné un total de 243 détenus qui sont en détention préventive prolongée,
que me pral gagner pour me permettre que rentrer la caillou. Bon tout font différence rapide pour me dire me pas parler là de grâce présidentielle. Grâce présidentielle là c'est moun ki condamné yo que moi-même y a travaillé sur yo sur rapport yo une fois que communiquer mon rapport sur comportement et évolution moun yo dans prison hein, li ça après li poko prêt ça prêt qu'on y a c'est en attendant même j'aime te dire li c'est 243 moun que me gagné que dossier étudié qui en détention préventive prolongée que moi-même m'a gagné pour me bay chance dans prison. Et puis, la fois qu'on est commission spéciale Chambre députée qui travaille sur l'amendement constitution, rencontré mercredi 20 novembre avec la Fédération nationale Kazakh et puis avec la Fédération nationale Azek d'Haïti, dans le cadre de ces consultations, la commission a fait pour jouer une position différents secteurs sous problème constitution. Président commission, député Jerry Tardieu fait qu'on est commission a gagné pour présenter premier rapport travail au bail assemblée 29 mars 2018. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilwich. Je recevoir Fédération nationale des Kazakhs et des Azèques d'Haïti. Je fait déplacement avec un ensemble président association Kazakhs au niveau des départements. Nous avons content pile ouais tout Kazakhs, tout Azèques qui ont fait déplacement pour venir travailler, pour venir parler, pour venir discuter avec la commission spéciale sur l'amendement constitution. Consultation nationale a avancé. Hier, nous avons rencontré avec l'ancien premier ministre PIA. Jeudi, nous avons rencontré avec la Fédération Azek et Kazakh PIA. Demain, nous avons une organisation populaire et nous avons continué jusqu'au 31 décembre 2017. Après ça, nous tous connaissons. Vous rendez-vous, c'est 29 mars 2018. Constitution pour 31 ans. Et c'est dans la date ça que la Commission pour remettre un premier rapport avant que le Fonds tournée nationale de validation, justement auprès des communes, pour nous descendre à terre. Pour que recommandations, rapports, les mariés avec sa pays, dis-nous, les pas seulement connectés avec ça, nous-mêmes nous pensons, en la Chambre des députés. Président, Commission Fédération Nationale Kazakhio, Paul André, avec Président Fédération Nationale Azek d'Haïti, Julio Adam, exprimé satisfaction yo pour échange qui était gagné avec membre Commission 1. Yo souhaité Commission a remettre un document qui a reflété position FENACA avec position FENASEC sous problème constitution. Un excellent micro fait de confident avec Moïse Wilwich. La position 87 là, qui était rentrée section communale comme et conseil d'administration section communale qui jouit et pleine et qui t'a supposé jouir pleine et entière et pour administrer et gérer et pourtant et qui poko rentrer en application. Au contraire. Et nous toujours dit nous-mêmes qui sortis plus loin dans le pays, nous-mêmes qui sortis dans la section communale, et qui toujours respecter sa constitution dit, mais pouvoir pas jamais respecter ça. Et aujourd'hui, il y a l'opportunité que la commission offre nous pour que nous venions faire passer point de vue, faire nous ressentir ou discuter qui ça, qui recommandation nous gagnons. Et qui remarque nous fait sur constitution qui était fait amender et qui remarque nous fait sur constitution 87 là et qui recommandation tout et nous même nous soumettre bah commission y ont des réflexions qui poco vraiment suffisante par rapport nous pourrons continuer travail pour que nous remettons un de mémoire qui capable utile nation parce que nous gain expérience et nous capable et discuter et pour le peuple, comme nous ses représentants, et nous-mêmes, nous sommes en question de collectivité, c'est pas en question d'un seul homme. Et nous dit que le peuple, nous pourrons tourner, rejoindre, nous pourrons rejoindre Kazakh dans tout le pays pour que nous-mêmes, nous gagnions un document qui reflète tout ça, vous voulez dire. Nous avons discuté avec eux autour de. Et revendication nous yo et côté que jodi a fédération nationale là qui accompagne nous gagne 10 présidents qui avec nous continuer à demander que nous jouer rôle de participation nous jodi a assez que papier exigeant que ça c'est justement n'a demander que nous participer dans la vie politique pays a parce que nous remarquer que monsieur a fait a marché a fait fuite en avant pour mettre conseil électoral permanent or
au regard de l'article 192, il est clairement dit qui est, comment pour le conseil électoral la monter. Et je dis à, et nous continuons à exiger tout que l'élection indirecte soit faite. Parce que leur permet de camper tout organe en deux collectivités à le ça, ou après poser problème. Donc nous-mêmes, nous continuons à travers la discussion que nous avons fait avec la commission, garder pour nous comment nous avons exigé que autant de revendications. Et Jean député Tardieu Tabdia, nous pas c'est après que nous avons élaboré cette mémoire nous pour nous voir la commission et chambre députée sur question amendement. Et puis une fois qu'on est dans une conférence pour la presse spéciale qui va dans le ministère commission communication mercredi 20 décembre non ministre affaires sociales Stéphanie Auguste a fait qu'on est yo résoudre crise qui gagne pour eux avec dossier contractuel ministère a fait face là dans 4000 dossiers contractuels yo jeune environ 2800 qui conforment et pour Kounia chèque poupée contractuel yo disponible dans ministère yo extrait social le moins vini à la tête li le 14 septembre t'es déjà gagné crise contractuelle qui t'est existé c'est un héritage que gouvernement vinjoine par rapport à quantité contractuelle qui gagne dans ministère. Nous te vinjoine environ 4000 contractuels en dans ministère affaires sociales. Sous instruction premier ministre là et son bagage c'est un dossier que président République la même excellence Jovenel Moïse te dit que faut que nous résoudre problème contractuel là. Après triage de tout dossier d'environ 4000 dossiers contractuels que nous te joignent, nous vins joignent des contractuels doublures. Ça veut dire pour un même NIF, ou ka joignent 2, 3 noms. Ça veut dire un NIF par exemple 003, etc. Ou vins joignent NIF sous 3 noms différents. Nous vins joignent tout un pile contractuel inactif qui équivalent à environ 2000 contractuels. Si on a dit contractuel doublure et inactif, environ 2000. Inactif, là, ça veut dire que c'est des contractuels, l'organe des contrats, sans affectation. Irrégularité encore que nous joignons, gagne plus que 600 contrats que nous joignons qui gagne un pile problème. Soit problème NIF, soit problème signature. Nous jouons un pile contrat côté c'est des consultants ou des contractuels qui te gagnent des montants de plus de 150 000 gourdes. Avec travail ça, nous venons recevoir finalement dans le ministère des Finances 2882 contrats. Que à partir de hier, nous te jouons environ 2206 et après-midi encore, nous venons prendre chèque, merci. Et après-midi encore, nous prenons reste chèque que le ministère finance imprimé pour nous. Au total, nous gagnons 2882 chèques disponibles dans mes noms. L'autre sujet, 34e Assemblée Parité Afrique-Caraïbes-Pacifique, là, qui tape déroulé dans le pays d'Haïti, rivé dans Boutli mercredi 20 décembre 2017. Là. Pendant 6 jours, plusieurs thématiques ont été abordées avec le parlementaire, d'après député Price Cyprien, représentant ACP dans le pays d'Haïti. Député Cyprien dit qu'il est satisfait sous façon à 6 jours déroulé pendant l'effet qu'on est, bénéfice économique et politique en pile pour le pays d'Haïti. Député Price Cyprien est dans le micro en 6 mars avec Rémi Gotchi. Image que tout pays a été gagné de Haïti, et qui sont pays qui ont insécurité, qui sont pays qui sale, qui sont pays de catastrophes naturelles, de fatras, etc. Ils ont changé l'image là parce que ils n'ont pas de pensé que ça a été attendé, ça a été ouais dans la télévision sur Haïti, ils n'ont pas de pensé que Haïti a été comme ça. Ils sont très contents et ces jours en Haïti et que ils pourraient vendre l'image d'Haïti autrement et la caillou n'a pas gagné qui guettent en disant qu'ils vont retourner en Haïti parce que c'est son pays d'opportunité. Ils pourraient parler avec homme d'affaires la caillou pour voir s'il a venu en Haïti pour faire commerce avec Haïti. Sur le plan politique, je pense que la bien pile retombée politique
n'a pas une pile ouverture politique qui possible et pour gouvernement et pour parlement tout, parce que nous en contact avec des parlementaires à, là pour plus de 106 pays et a bien des retombées, mais sur le plan économique, d'après les économistes, dépenses que délégation ça y a près de 430 personnes qui présentent dans environ 5 hôtels en Haïti et plus, dépenses que vous faites, ça capable de gagner des retombées économiques autour de 2,5 millions ou 3 millions de dollars pendant ces jours du 13 au 20 et gagner qu'à prêter un petit peu plus. Et c'est l'événement du siècle que nous gagnons en Haïti, du début du siècle. Et moi, j'étais quoi que au niveau du Parlement, il y a bien comprendre ça, il y a comprendre nécessité diplomatie parlementaire là, que ce soit au niveau du Sénat ou de la Chambre des députés. Moi, j'étais quoi tout au niveau de l'exécutif, il y a comprendre que pays n'a pas arrêté fermé sous les mêmes, faut pays à ouvrir à d'autres pays, pour nous capables de commercer avec les pays ACP, que ce soit les pays africains, de la Caraïbe et aussi et du Pacifique, et tout en maintenant le cap sous pays du Nord et tout, parce que pas oublier que pays européens, c'est eux-mêmes qui pays capitalistes qui gagnent l'argent tout. Voilà, les amis TNH, c'est le moment pour nous observer pause commerciale. Arrêtez avec nous, Naptoune, dans un petit moment. Et nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. Ministre de l'Éducation nationale avec information professionnelle la Josia Ginor Kader réunis jeudi, mercredi 20 décembre, dans l'hôtel Marriott avec employé ministère pour manger bois et puis partager soyo dans l'occasion clôture année 2017. Là. Directeur ressources humaines ministère a profité expliquer les difficultés qui étaient rencontrées dans le travail là. En même temps, quelques anciens cadres du ministère fait loin dans l'institution. Si là. Donc, invite à suivre un reportage avec Marie-Jolouis et Rémi Gauthier. Rencontre tête à tête ça entre employé et ministre éducation nationale Pierre Josué Agino Kader, t'es occasion pour brasser l'idée sur travail qu'a réalisé dans ministère ministre là t'es profiter féliciter comportement employé yo et puis encourager yo travail pour ministère continuer bail plus résultat. Il y a pile monde qui là qui gagne pile en pile en pile revendication. En pile revendication, ça c'est sûr. Notamment nous connaît dans l'état en Haïti salaire ou pas bon. Tout le monde compte ça. Et nous-mêmes, personnellement, en tant que ministre, comme dit chaque jour, dans tout conseil des ministres, je fais des interventions pour me poser des problèmes. Il y a quelqu'un qui commence à jouer une solution, notamment question enseignant, mais des questions personnelles administratives. Tout. Actuellement, ressources humaines travaillent sur question alignement pour tout employé. Qui est même niveau, dans même poste là, pour ne pas gagner disparité de salaire. Bien que nous connaissons que salaire moun yo gagne, ce n'est pas salaire ça ou d'adou gagne. Heureusement, je dis à la, moi, OMRH a fait effort, il y a une commission qui travaille pour voir si on arrive avec une nouvelle grille de salaire. Et c'est une raison, une façon pour nous arriver à Kembe Kadou. Et c'est ça que fait dans l'État à tout, dans pile gros cadre, très souvent, nous arrivons perdus. Parce que l'État, jusqu'à présent, n'a pas arrivé à payer Jean pour le payer. Et très souvent, nous pensons pour nous faire des gestes, mais malheureusement, nous bloquons en sens ça. Tant que pour Anessa, nous sommes obligés de faire une discrimination quand même. Nous prenons les gens qui nous mangent, sortis dans 1 goutte pour 26 000 gouttes, pour t'avoir un petit chocho, même pour acheter un poule. Et nous demandons des excuses auprès de l'autre monde qui n'est pas jeune. D'après ça, ma prendre au niveau finance et budget, yo fait me connaître d'ici semaine ça, toute bagaille capable déjà prêt pour ça. Mais ça qui est important pour nous, c'est jeudi après-midi là, côté dans quelques jours, nous va finir année et mais nous là ensemble pour nous fêter Jean capable. Pour nous fêter en tant que membre d'une même famille. Puisque mon temps était limité pour prendre la parole. Je veux tout simplement adresser à toutes et à tous mes meilleurs voeux de fin d'année, tout en souhaitant à vous toutes et à vous tous prospérité, bonheur et santé. Plusieurs employés te recevront plaque, honneur et mérite pendant le moment si là. Pour rendement yo baye dans cadre travail yo.
Et magistrat Kalem Boukea, Ronnie Collin, dressé un bilan positif sous divers travail qu'a tel l'Abdigia réalisé en d'un communant après installation. Yo. Magistrat a tout profité pour parler sous quelques projets mairie a réalisé avec perspective. Richardson Jourdan avec Michel Joseph. Dans le cadre d'opération la vie figure quoi des bouquets, il y a un ensemble de travail qu'a réalisé dans la commune. Dans le Kafoumarasa, l'autorité municipale a déjà aménagé un espace qui peut permettre de mettre un sous-commissariat à qui on place dans la zone. Nan, et puis, il y a déjà l'ouvri route là, yon façon pour diminuer le blocus là. Dans le Kafou Marin, il y a des trottoirs qui sont faits pour permettre machines, ou soit piétons, si qu'il est comme ça doit, avec barrage cimetière marin qui déjà commencé. Travail ça, yon cap réalisé dans la commune Kwa de Bouquet, d'après magistrat Ronnie Collin, c'est pour résoudre le problème embouteillage là, avec table de sécurité dans la commune là. Nous même tout nous baï contribution par nous après nous t'ai fini discuter ensemble avec dicté IDH là nous tout profiter côté t'ai gagné pile fatra la Kafou Marasa qui t'ai gagné environ 25 ans nous level et ensuite gagné l'endo maquette là et avant pour prendre gasoline t'ai gagné yon route qui était là moun yo t'ai amusé construire la route là nous libérer route là pour nous comment nous capable réduire et blocus temps qui là Kafou Marasa. Là nous dit bloc réduit blocus en Kafou Marasa, je dis à nous te dit tête nous, je dis à 20, faut nous finir avec question blocus en Kafou Marasa. Nous gain route qui passe l'en doa et n'a fait environ 7 m 20, a gain l'a sorti tabac, a gain deux voies qui sur route ça yo. Et les par exemple sorti tabac tout, ou a gain le choix si ou dit ou pour aller Santo ou capable passer, n'a travail dans Santo 22 route qui pour voyo, al tomber sur route, li la voie. Et Santo 22, excusez. Après ça, nous gagnons Kafou 25 ans, qui c'est Kafou Marasa. Si toutefois, vous dites, vous prenez le meilleur, vous prenez le mi, vous prenez dans la zone plateau central, vous n'avez pas intérêt pour passer dans la ville là, qui est bloquée avec le camion, pour comment tout notre travail dans le cimetière Kafou Marien, par rapport avec notre nous avons dans la presse. Ça, c'est déjà une preuve qui prouve vraiment nous-mêmes, nous travaillons dans la commune Kwa de Bouquet. Et là, après, nous avons pour mettre sur une question d'allô, nous travaillons en face de Kafou Marien, qui pour permettre les timoun pour aller à l'école pour pas besoin retirer bail en pour traverser canal là nous déjà font d'allô pour permettre timoun sortir dehors pour aller prendre machine en face Kafou Marien. Magistrat Ronnie Collin parlé de un ensemble projet yo gen en perspective tant que l'école professionnelle ak formation pour jeunes dans commune Kwa de Bouquet ak asphaltage plusieurs routes ak barrage cimetière Kwa de Bouquet a avec support pouvoir central. En 2018 là côté nous prendre un cimetière et Kwa de Bouquet a et nous avons pas qu'à travailler, nous avons travaillé puis encore nous gain pour asphalter 6 km et de route en dedans ville Kwa de Bouquet et côté nous commencer là nous pas camper et nous pas garder derrière nous voulons aller et juste pour nous capable bailler résultat avec population capter nos résultats là mais nous et n'a dit tout merci avec monde Kwa de Bouquet qui jodi a qui croit en nous-mêmes là travail n'a fait à côté n'a pas grandi route là avec ministère de la République. Côté yo même yo entré mais yo mette mais yo dans pat la tout depuis nous fin écrit en côté ouais yo même avec volonté yo commencé écraser et nous mandé yo pour compter sur nous même tout nous compter sur yo et supporter nous pour nous aller vers l'avant pour nous capable changer quoi des bouquets là état qu'il est jodi pour fin année 2017 là magistrat Ronnie Collin fait connait gain divers travail cap fait dans commune là tant que plusieurs monde cap bay coup de main dans assainissement pour permettre aux jeunes petits chocho pendant période fête là de profiter encourager population pour payer taxes, une façon pour l'Amérique capable continuer travail dans l'intérêt population dans commune là. L'autre sujet dans journal responsable Ligue nationale enseignants haïtiens l'INE organisé mercredi 20 décembre dans l'Assemblée générale dans Port-au-Prince. Dans quatre rencontres là, responsable l'INE a fait bilan travail réalisé dans le secteur éducatif là et puis réalisé élection pour mettre camper un nouveau comité dans tête Ligue là. Yvel Admettre, c'est secrétaire général Ligue nationale enseignants haïtiens. Nous avons fait l'Assemblée générale ça depuis l'année dernière, mais nous n'avons pas de café. Nous avons des difficultés à faire. Nous pas de café quitter l'année finie pour nous faire. Nous faisons un bilan de l'existence de l'organisation et de l'ensemble d'activités que nous entreprenons. Par exemple, nous connaissons l'INE, même plateforme syndicale enseignant, qui bataille en 2014, nous jouons des relèvements salariales. Nous jouons un statut particulier qui, jeudi, le Parlement a travaillé sur les pour transformer en loi. Et nous jouons aussi nomination de certains nombres de professeurs qui étaient statut de professeurs contractuels qui nous arrivaient
faire nommer en dans système là. Et nous croyons que bilan nous capable de c'est pas un bilan qui nous dit qui sont bilan positif mais qui pas satisfaisant. Nous dit mon bilan syndicat pas doit satisfaisant parce que chaque jour, chaque fois mon résout un problème, on l'autre revendication qui vient. Chaque revendication yo solution yo mandé une autre revendication qui fait que lutte syndicale là sont lutte permanente donc qui fait que nous pas qu'à dire nous satisfait des bilans nous camper là non. Si nous sommes satisfaits, c'est que le travail nous finit, mais alors que nous devons continuer de travailler chaque jour. Nous devons continuer, professeurs continuent à rencontrer plus de problèmes. Le système éducatif là en difficulté, nous croyons que c'est le moment ou jamais pour que toute organisation syndicale, toute unité ensemble pour nous battre, pour nous joindre une amélioration dans le système. Non, mais c'est jamais tout, moment ou jamais, pour que tout professeur comprenne la nécessité pour entrer dans le syndicat. Entrer dans le syndicat pour nous renforcer la bataille là, pour nous exiger plus bonnes conditions de travail, pour nous joindre meilleur. Un pi mon système éducatif côté que je ne jodi a en pile nous comme enseignant côté y a travail nous pas ka mettre petite nous l'école là dedans parce que nous pas gain moyen pour ça donc ça veut dire que une bataille faut que nous suspendre bataille pour améliorer pour question de salaire mais faut que nous travaille un qui ça n'a fait pour éducation capable une éducation de qualité accessible pour tout le monde même pour professeur yo un sentiment de fierté pour le dire les vont côté c'est enseignant lié à travers un plan de carrière qui doit défini dans cadre dialogue social qui doit gain exister entre l'État avec syndicats anciens. Un groupe 5 députés qui gagnent la donne, Sinal Bertrand, Jean-Robert Bossé, Joseph Manès, Louis Printemps Bélizer, écrit président Sénat République là, lui la tortue pour demander le camper sous processus choix trois représentants pouvoir législatif là dans Conseil électoral permanent parlementaire dit moment pas favorable. Il excelle un micro Fidner confident avec Moïse Joseph Woodbridge. On nous écrit président Sénat, mais nous paraît qu'il écrit en tant que président Sénat, nous écrit en tant que président de l'Assemblée nationale qui a un rôle pour jouer dans le cadre de désignation des membres du conseil des représentants du pouvoir législatif. Nous dit président Assemblée nationale là politiquement et constitutionnellement l'IPA de mise aujourd'hui hein, pour nous pencher sous question formation conseil électoral permanent. Docteur Arigi Beauvais, accent haïtien investigation à traitement avancé dans affaires infertilité, Chitaï, c'est grand gagnant Digicel entrepreneur pour année 2017 là. Dans l'idée pour permettre à la population à connaître le travail docteur Ari a fait à travers Chitaï dans la communauté, une équipe télévision nationale d'Haïti a fait une visite dans cette ville-là. Mardi 19 décembre, nous avons invité à suivre un reportage sous dossier avec Rachel Saint-Fort et Rémi Godjit. Une expérience extraordinaire qui montre que les gens travaillent, prennent initiative dans l'idée pour permettre le pays à avancer. C'est comme ça, Dr. Harry Joseph Beauvais, qui remporte le prix Digicel Entrepreneur pour l'année 2017, là, décrit l'expérience qu'il fait dans le programme Digicel Entrepreneur. D'après Dr. Harry Beauvais, expérience ça permet de partager avec l'autre participant yo technique travail yo dans centre haïtien investigation et traitement avancé dans infertilité Chitaï qui fait institution ça une institution excellence traiter problème pas faire petite dans pays a c'est principale mission yo dans Chitaï d'après explication Dr. Harry Beauvais qui te profite occasion pour présenter la réalité avec ça qui la cause maladie infertilité. Le problème infertilité atteint en Haïti, tenez bien, près d'un demi-million d'habitants en Haïti. Ça veut dire quoi? Parmi les maladies qui la qui plus fréquente, qui peut tuer mon yo, ça c'est maladie qui plus fréquent. Tenez samedi, un demi-million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a deux Haïtiens sur dix presque. Presque souffrir de fertilité, qui t'a supposé capable de fertilité, presque souffrir de fertilité. La première cause de fertilité en Haïti, c'est l'infection. L'infection sexuellement transmissible, qui fait que trompe fille a kabouché, qui fait que canal côté pour sperme, passer la cagasse en tout, kabouché tout. Ça, c'est une première cause. Deuxième cause infertilité que nous rencontrons en Haïti, c'est les troubles de l'ovulation. Ovulation, ça veut dire quoi? Chaque mois, le fille a un cycle menstruel, il libère 11 œufs. Et ça fait que gère moun à cause de problème alimentation je vont t'en parler là qui viennent obèses qui viennent gros yo viennent développer des ovaires polykystiques ou bien encore yo gagne des troubles de l'ovulation tout court yo pas ovulé j'ai retard ovulaire à ce moment ça sont cause d'infertilité. Troisième cause d'infertilité que nous venons ici en Haïti c'est des transformations qui liées particulièrement à la race noire.
rasse-moi là, côté que on fait rasse-moi toujours gain dans matrice des fibromes. Fibromio, en général, qui ça fait, surtout les développés en dedans dans la matrice, hein, fibromio finit par transformer matrice, hein, déformer matrice, hein, et qui fait que ou pas gain espace pour tout le monde développer en dedans matrice. Il t'a gain spécialiste, toute technique pour traiter infertilité. D'après précision responsable qui invite tout le monde qui a une infection pour aller au docteur. C'est rapport sexuel régulier. C'est qu'à sens mon traitement. Dis-moi, mais qui l'a pour faire barrer. Parce que vous l'a pour faire barrer dans moi pour ton passé. Ou bien encore, vous avez apparaître où est là, son simple infection. Ou traiter infection. Simple infection traitée, et puis fille est capable de venir par un petit monde sans problème. Ou bien encore, et des autres causes, côté que vous avez un kiss. Ou bien encore comme on a un petit fibrome, des barres qui sont traitées. Mais, bon, phase où il y a, côté que quand il y a un sperme dans un petit gène trop faible, à ce moment, on commence à entrer dans un vrai traitement de fertilité, qui est le domaine génital. Insémination intra-utérine. Côté que nous prenons le sperme, nous préparons et nous le déposons en dedans matrice directement. Prédigicel entrepreneur permet de dirigeant chita yo, ouais, importance travail dans la communauté, avec nécessité pour avoir plus de services. Dans ce sens, Dr. Henri-Joseph Beauvais explique qu'il travaille dans ce sens pour joindre un plus grand espace capable de plus de monde bénéficier de services. Dans le pays étranger, le Sénat américain a adopté la réforme fiscale administration tremplin à Yamadi 19 décembre 2017. La réforme fiscale, là, qui est une promesse campagne du président Donald Trump, a pris entrée en vigueur à partir de 2018. Réforme fiscale américaine franchie mercredi 20 décembre, nan, étape décisive Sénat qui ouvre route pour une victoire politique qui est importante pile pour le président américain. Sénat a adopté réforme fiscale là mardi 19 décembre 2017 là avec 51 voix pour 48 contre. Réforme fiscale là, c'est une promesse campagne président américain Donald Trump. Démocrates qui opposaient à l'adoption réforme fiscalité a parlé des trois articles minés qui violaient les règles procédées sénatoriales là. Parmi les articles sénateur conservateur Ted Cruz qui t'a autorisé parents qui payaient l'école petite yo la caillo profiter avantage fiscal normalement qui réservé à enseignement supérieur. Deux chambres congrès a dû adopter texte ça, chambre députée a dû voter mercredi 20 décembre non. Texte final là, Congrès après le transmettre par le président américain pour signer, c'est un compromis entre version adoptée chaque chambre dans le mois novembre et décembre. Réforme ça doit rentrer en application à partir 2018 pour toute entreprise et particulier. Et chef diplomatie européen Federica Mogherini exprimé soutien à la Premier ministre libanais Saad Hariri mercredi 20 décembre 2017 là. Une décision, chef diplomatie en prend après retour premier ministre là, dans le pays Liban. On suive. Deux semaines après retour Saad Hariri dans le Liban, chef diplomatie européen Federica Mogherini, tombe en visite dans le Liban dans l'objectif pour porter soutien à la ministre libanaise qui a démissionné 4 novembre passé et puis retourné sous décision 5 décembre. Chef diplomatie européen a assuré premier ministre là, soutien une façon pour calmer tension qui gagne dans la région. Poser la question sur le rapatriement réfugiés syriens, Federica Mogherini évoquait possibilité d'une solution politique. C'est en total 1,2 million de Syriens qui prennent refuge dans le Liban, sous 6 millions d'habitants pays à gagner dans le Liban. Une situation qui représentait un gros défi pour l'autorité. Et puis, Goumaro Pérez, 35 l'année, c'est 12e journaliste qui perdu la ville dans le pays Mexique. Année 2017 là, Goumaro Pérez te kon écrit régulièrement divers articles sous drogue et sécurité. Goumaro perdit la ville mardi 19 décembre nan, en Babal Bandi dans l'occasion d'une fête qui est organisée pour fin d'année dans l'école Petite Ville qui gagne 6 l'année. Je veux par-dessus tout, c'est que justice soit faite, que ces meurtriers soient arrêtés. Ce n'est pas possible qu'on leur permette de tuer comme si ce n'était rien. Ils n'ont aucun respect. Des enfants de 6 ans sont traumatisés par la manière dont mon mari a été tué. Voilà, amis TNHC, on a mis un bout à journal pour jeudi. Avant nous aller, on a rappelé au pigot point.
qui t'a perdu la vie pendant l'opération la police dans quartier Grand Ravine lundi 13 novembre passé a recevoir jeudi a yo chaque yon chèque 100,000 goudes comme participation l'état pour finir yo c'est chef paquet tribunal première instance pour Port-au-Prince là mettre Opnam acclamé Damius qui remet yo chèque si là. Paysans en pleine la Tibonite pour être capable de rabouter pour planter sans difficulté. Le gouvernement met matériel agricole à disposition planter. 34e assemblée paritaire Afrique Caraïbe Pacifique là qui t'a déroulé dans le pays d'Haïti rivé dans Boutli mercredi 20 décembre 2017 là, c'était occasion pour parlementaires aborder plusieurs thématiques qui n'ont intérêt pays. Et puis Sénat américain a adopté mardi 19 décembre une réforme fiscale administration trompe-l'œil. Merci tout le monde qui t'a suivi journal là, nous souhaitons passer une très bonne soirée. À demain.